Il y a 20 ans, le vol libre n'existait pas. Il y a 15 ans, on faisait des sauts de puce. Et aujourd'hui, grâce au vol bivouac, on peut voler des jours, voire même des semaines. L'idée du bivouac, elle m'est venue en 84, lors d'un vol Salève-Montélimar, de l'ordre de 200 km environ, et où je me suis dit, c'est quand même trop bête, un aussi beau vol, gâché par le fait de devoir rentrer en voiture jusqu'à la maison. Alors, je me suis dit, atterrissons en montagne, volons de sommet en sommet, poursuivons le voyage, et comme ça est née l'idée du vol bivouac. Cette idée, cette passion, elle a été rapidement partagée par un ami, Hubert Aupetit, et ensemble, on a mis des principes à un grand défi qu'on a appelé le Cap 444. Le Cap 444 doit couronner le premier deltiste au monde qui fera 444 km sans l'aide de personne, uniquement avec son aile, sa tête et ses jambes. Les débuts furent plutôt difficiles. En 86, j'ai détruit mon aile au Grimsel. 2 ans plus tard, la veille du départ, je me déchirais le talon d'Achille. Heureusement pour moi, en 89, j'ai relié Chamonix à Nice en 5 étapes, avec pour dernier bivouac l'hôpital de Nice pour une luxation de l'épaule. Ça m'a empêché malheureusement de retourner sur mes pas et de rentrer en delta à la maison. L'année suivante, c'était en 12 jours le premier vol vraiment poésie. J'ai connu les bergers et les bergères, un plaisir énorme. Et puis là, je suis reparti, la même année, de Fiche dans le Haut-Valais, pour rejoindre Briançon en passant par l'Italie. Un vol qui avait perdu toute sa poésie, car à Briançon, malheureusement, on m'a volé toutes mes affaires. J'ai dû rentrer à la maison et attendre impatiemment l'année suivante pour la grande tentative. Pour faire du vol bivouac, il faut savoir atterrir comme les oiseaux et maîtriser la technique du contre-pente. Il s'agit d'arriver très vite sur la pente et la remonter en la léchant à quelques mètres du sol, sur une dizaine de mètres, et s'arrêter. En principe, le soir venu, j'atterris au sommet des montagnes. Mais il arrive parfois que ça se passe plus mal, et j'atterris à mi-pente, voire au fond de la vallée. Et là, j'ai plus le choix. Une seule chose à faire, c'est porter tout mon matériel, environ 45 kg, au sommet. Je m'y prends en 2 fois. D'abord, l'aile, en V sur mes épaules, et ensuite, je redescends pour prendre le reste de mon matériel. Ma bête noire, c'est le mauvais temps. Il m'arrivait plusieurs fois de rester 2, 3, 4, 5, 6 jours dans la tente du soleil. Et avec lui, des thermiques qui me permettent de poursuivre mon voyage.
Je vole en moyenne 4 à 5 heures par jour. Le reste du temps, je lis, j'écris, je joue de l'harmonica, je fais de la randonnée. Puis, je joins l'utile à l'agréable, même si c'est un peu frisqué. L'un des grands charmes du bivouac, c'est de trouver le soir, pour dormir, une cabane ouverte, avec parfois un petit peu de bois pour faire du feu. Et même, ça m'arrivait souvent, un petit mot qui dit « servez-vous ». Et on y trouve du riz, du sucre, du thé, et mille autres choses qui font le bonheur d'un voyageur. Quand je ne trouve ni cabane, ni refuge, ni berger, ni bergère, eh bien je couche tout bêtement à la Belle Étoile et je m'arrange de mon mieux pour que la nuit soit agréable. Thank you.
Le plus difficile, ce n'est pas l'atterrissage en montagne, c'est surtout le décollage. Il y a le lieu à choisir, il y a l'heure, et aussi la manière. Parce que seul, dans la montagne, vaut mieux pas se rater. Le vol bivouac, ce n'est pas la solitude, bien au contraire, c'est la rencontre de l'autre. Avec mon delta, je vis à l'altitude des bergers et j'ai découvert un monde fascinant. Que ce soit Vittorio, le ramasseur de camomille, ou alors Claude, le planteur de marijuana, ou encore Christa, la belle, Martina, la sauvage, ou Gisèle, l'ami, tous sont le symbole de la simplicité, de l'hospitalité et de l'amitié. Pareil, je veux dire. Ouais, la piste. C'est une vessie qui se. Bon. Tu écris, toi, encore. Ouais. Mais qui c'est qui te le dit? Hein? Qui c'est qui te le dit? Toi? Oh non, j'en ai vu, hein? Non? Ce sera mon premier lecteur. Non, ouais, passons à un bouquin que je, hein? Je fais critique. Ça. Je te passe à l'article. Je te passe à l'article. Tu écris dans quoi encore? Dans les magazines. Les magazines spécialisés surtout. Tous mes trucs, c'est. Hé Andy ! Ouais ? Y'a pas un peu ?
Le 22 juillet 91, je repars pour une nouvelle tentative de Cap 444. Le premier vol est extraordinaire. Je fais 130 km à des altitudes de plus de 4000 mètres. Mais les lendemains sont beaucoup plus difficiles. Et je me souviens du 27, c'était presque l'abandon. En l'air, j'ai lâché trois mamans. Maman, c'est mon échelle Richter. Je l'appelle quand c'est vraiment très turbulent. Puis tout d'un coup, il y a une accalmie. Et j'ai posé en altitude près d'une cabane merveilleuse. À l'intérieur, il y avait une bergère tout aussi merveilleuse. Elle s'appelait Gisèle. Je n'oublierai jamais ce matin, ensoleillé, dans une nature extraordinaire, avec en point de mire le Mercantour, avec les ânes qui nous regardaient faire, Gisèle qui s'occupait de ses moutons malades, les chiens qui courent après les marmottes, et puis soudain, l'aigle qui apparaît, l'aigle qui vient sur nos têtes et qui tournoie. Après cela, ça a été presque une formalité, tout a été très simple. Après 8 jours de vol, j'ai bouclé le 444, j'ai dépassé les 444 km. J'ai aussi dépassé le temps qu'on s'était imparti de 3 jours, mais si j'avais pu faire 10 jours de plus, je les aurais fait. Et j'ai réapparu 15 jours après mon départ à Saint-André-les-Alpes, près de mes copains, près de mes amis, près de ma voiture, après avoir fait un voyage extraordinaire avec mon Delta. J'ai dignement fêté cette victoire que je pourchassais depuis 8 ans. Mais ce qui me réjouit le plus, c'est que ces 444 km ne sont rien par rapport à ce que nous réserve l'avenir. Thank you.
Thank you.